Bande de pigeons. Bon, du coup, je vais dire bonjour quand même aux gens. Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 10, c'est ce que j'avais dit. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est l'épisode 10. Bah oui, c'est l'épisode 10. T'es avec moi, toi, là? C'est en train de charger. Tu sais bien que le chargement, il est long. Hein. Ouais. Tous les chargements sont longs, en fait. Même s'ils ont réparé l'église depuis l'incident. Non. Ah démon. Viens m'aider, je suis déjà mort. Qu'est-ce qui se passe? Je suis décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort. Il y avait un chien qui m'a bouffé. Mais il y en a un à côté de nous là. C'est elle qui m'a achevé en fait. Le chien il m'a chopé. Et le temps que je me relève et que je recharge mon truc, bah je me suis me fait... Mange de la pizza. Y'a un mec là-bas qui crie au secours. Merci de m'avoir sauvé. Hey, venez là. Oui, j'arrive. John Seed a posté une putain d'armée dans son ranch. Il va tous nous tuer, c'est moi qui vous le dis. Ou encore pire. Faut faire quelque chose. Ah oui, c'est vrai que je peux saboter, faut que je fasse gaffe. Ok, on va aller là-bas finalement. C'est bon, roule. Attends, c'est le canon de ton fusil que je vois me balader au-dessus de ma gamme. Je te chatouille. Ah, tu vois ce que je vois aussi? Ah. On avait pas déjà deux? Ouais, mais non, c'est pas ça que je veux, hein. Tu vois, on va vers la zone, hein. Moi, oh, c'était le gros truc rouge là-bas à droite que je vois. Ah, mais il est là le yes! Bah oui. Gros, à chaque fois tu bouges. Ah, c'est bon. J'ai pris cher, hein. Pose-toi à côté, pose-toi à côté! Discrétion, discrétion! Alors, se faire repérer, bah oui. C'était fini, c'était sûr. Pourquoi c'est moi qu'on focus, putain? Que moi je me suis barré en fait. Ouais, mais c'est toujours moi qu'on focus quand même, hein. Y'a un sniper au-dessus de cette putain de tour. Je suis coincé par une barrière, voilà, génial, Jordan. Pourquoi je peux pas utiliser le... Y'a un truc qui me tire dessus fort là. Ah putain. Au-dessus du toit je crois qu'il y a une grosse mitrailleuse. Une grosse batteuse.
mortier a été quand même un tout petit peu utile. Donc là, toi, la cinématique, tu l'as pas ? Si, si, je l'ai. Ah, parce que la dernière fois, tu l'avais pas eu. Non, il y a certaines cinématiques que j'ai pas. Ouais, mais non, c'était la même chose, on avait libéré un truc et... Ouais, quand même. Peau de carcajou. 170 dollars, ce truc, hein, quand même. Mm-hmm. 225 les peaux de cougar. Mais normalement, dans les autres Far Cry, techniquement, on savait pas craft grâce aux peaux. Si, mais en fait, ça dépend. Je sais pas. Écoute, pour le moment, on se fait de la thune, on s'achète les armes qu'on veut, et plus tard, on maxera le tout, on verra. Pour le moment, moi, je vais rester comme ça. En gare. Oh, je suis putain, je peux m'acheter un avion. Je peux m'acheter un gros avion de combat. Attends, parle pas parce qu'il donne des trucs, les gars. Il parle. Voilà, il nous a donné une quête, mais. Mon beau-frère m'a dit que la secte voulait récupérer l'avion de Nikrai. Mais il les envoyait chier. Je peux te garantir que ça va pas plaire à John. Bon, les quêtes. On a 3 quêtes. Et on a plus de 4 secondaires si on a encore ça. 2400, ça c'est à 1200. On va aller là-bas d'abord. Hein. Oh, il est là, mon bébé. Je vais se conduire. Ah, je sais que t'aimes pas toi, cela. Tu conduis ou tu tires? Bah, de toute façon, je sais faire les deux maintenant. N'importe. Juste, je peux pas rentrer donc. Ah, bon bah je vais conduire et tu vas tirer. Ouais. Mais non mais attends je peux. Mais non littéralement c'est mon avion, je peux pas rentrer dedans. Tu peux pas conduire en fait si c'est. De quoi? Si c'est quoi? Je crois qu'il y a que moi qui peux conduire les véhicules comme ça. Non, c'est moi qui l'ai acheté donc. Et oui, alors je peux justement conduire, de quoi? Justement quoi? Même de toute façon, je suis pas sûr que tu puisses conduire les véhicules qu'on prend au garage. Si, bah non, je peux pas faire apparaître les véhicules qu'on obtient dans les quêtes. Ça, c'est moi qui l'ai eu celui-là. Entre-temps, hein. Non, mais à mon avis, il fallait que je me place sur l'aile. Par contre, essaye quand même d'atterrir. Ouais, t'inquiète. Bah là, dans le champ, non? Ouais, deux secondes. J'ai sauté. Je me suis trompé de touche. Bon, bah c'est bien, on a atterri. Je voulais appuyer sur Rho, j'ai appuyé sur Kerry comme un connard. Ouais, bah si, oui, je peux le conduire, mais il fallait en fait que j'aille sur l'aile. J'espère qu'on va pas me le piquer. Si. Et il m'a coûté 9000 dollars hein, quand même. Ah, t'as acheté ça? Tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. Pourquoi t'as fait ça? La troisième fois. T'es trop con? Bah, parce que mon gars. On en a des gratuits? Ouais, mais celui-là, il est stylé. D'accord. Et il a des bombes incendiaires. Je suis pas sûr que les autres, ils en aient des bombes incendiaires. C'est des alliés ou des ennemis? C'est un gentil, lui, ça. Ça c'est un allié. Enfin non, c'est un civil. Il faut qu'on aille à la messe. Quelqu'un qui est mort? Ouais, et c'est un habitant. Oh là, les corbeaux. Regarde, attends. Ah mais c'est le méchant, c'est lui qui nous a appelé en plus. Oui, c'est lui. Quand tu parlais là, pendant qu'il tenait la quête. Ah, très bien. Quelqu'un d'affaliant. D'un falcon qu'il faut là.
Ne tuez pas, s'il vous plaît, ne tuez pas. Non, il me fait un tatouage, le bâtard. Bouge pas. J'espère que c'est pas une bite. On va pouvoir dire colère, Pam. Colle. Un péché doit être visible pour être absous. Et si nous cachons nos péchés, nous nous cachons. Tu ne te cacheras plus longtemps. Ton être véritable. Et toi, tu seras bientôt mort. Va se répandre sur le sol. Je à la vue de tous. Et je le taillerai avec un couteau. Et je lui écrirai Pain. Ah, il y a les gentils avec nous. Ah oui, il y a le. Si Mahomet ne vient pas à la montagne, apporte. C'est moi le prêtre, il est torse nu. Oui, oui, ils l'ont mis. Avec sa Bible. Ouais, ouais, il doit encore y avoir le flingue dedans. Ouais, là, ils sont un peu trop, je pense, hein, je trouve. Oh, qu'est-ce qu'ils l'ont fait Ah, mais nous, on sait qu'il y a le flingue dedans. Par contre, tu lui as arraché un morceau de chair, on est d'accord? Ouais, ouais. Nous sommes réunis en ces lieux pour... Aïe, 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 aïe. Espèce d'enfoiré. Oh, laissez-la. On va réessayer. Il a récupéré son flingue. Hein. Mes chers fidèles, nous sommes réunis en ces lieux pour... Mes chers fidèles, nous sommes réunis en ces lieux pour... Soutenir ceux qui souhaitent expier leurs péchés. Soutenir ceux qui souhaitent expier leurs péchés. Veux-tu, Nick Rai, poser la main sur la parole de Joseph? Veux-tu, Nick Rai, va te faire foutre. Non, j'obéirai jamais à ce psychopathe. Admirez donc l'avarice. Tu ne penses qu'à ta petite personne. Oh, bien joué. Ah, dommage. Il se passe ? Nick. Oui. Oui, je veux expier. Oh mon Dieu, c'est Jésus. C'est ça, le pouvoir du oui. Le pouvoir d'expier tous vos péchés. Là, il a même fait un bandage. Le pouvoir. Oui, oui, je sais que t'as son flingue dedans. Officier, veux-tu poser la main sur la parole de Joseph? Oh oui, je veux. Officier, veux-tu poser la main sur la parole de Joseph? Pour admettre tes péchés. Oh que oui. C'est un 44, c'est ça? Par contre, à mon avis, c'est moi qui va devoir tirer. Ouais, ou quoi que tu vas peut-être pouvoir le faire aussi, je sais pas. Dis oui. Non. Sans aucun mot. Ouais, ouais, je vais dire oui. Tire, tire! Allez, tire! Emmenez John Orange, vite! Mais pourquoi il a tiré? Laisse-moi tirer, il est nul à chier le perso. Il a tiré totalement à côté. Tu prends ton temps, tu tires une balle, quoi. Oh là! Oh là, attends, attends. Au pire, je peux abandonner. Hein. Non, non, 2 secondes.
tu permets. Parce que toi t'as rushé comme un connard, mais c'est moi qui ai quand même pris toutes les balles aussi, donc on va se calmer, hein. Quoi? Je suis mort comment? Gros, arrête, je suis à couvert de tous les côtés. Les cinglés ont ramené John dans son ranch. Montez. T'es tombé où, attends? Là, là, à gauche, j'étais à couvert de tous les côtés. C'est n'importe quoi, remonte. Ce jeu de merde, là. Allez. Non, je rigole, il est génial. Je vais en profiter pour me préparer. Vas-y, ma petite, fonce. Non, moi, je veux conduire. Bah, mais non, attirer, je vais aller en arrière. Bah, avant demain, hein. Merci. Et vite, vite. Vite mon cul, oui. Sors avec nous, là. Ouais. On a dit vite. Oh, elle a les yeux rouges, elle. Il se passe quoi, là? Le côté droit, tirez sur les camions. Oh, ouais. Je peux pas tirer, connasse. Merci. Ah ouais, bah là tu m'en demandes un peu beaucoup quand même, hein. Je peux pas abattre les avions, j'ai pas d'armes pour. Ah bah... Il faut virer un peu mieux. Antoine, qu'on tue les avions, sinon on est mort. Tu conduis où là? Putain, mais gros, ouais, conduite. Oh putain, mais j'arrive plus à viser. Yes. Droit devant, devant. Devant. Il y a quoi devant? Il y avait quelqu'un, mais pas assez long. On est déjà venu ici. Bah oui, c'est là qu'on doit aller. Au ranch. Oh, lui il a volé. John s'est envolé. Vous devez trouver un avion et le rattraper. C'est bugué, il y a deux avions en un. Grand? Bah non, gros, les gars, les gars. Vous avez tout bugué. Je prends quel des deux là? Putain, mais ta race. J'avance un peu. Ouais, je suis dedans. T'en as un aussi? Ouais. Détruisez l'avion de John. Allez, c'est parti, go. Tu peux tirer avec le tien? Ouais. Je me fais allumer. Là il est un peu loin là. Quoi? C'est dégueulasse. Bah ouais, il avait même pas le marqué le truc en plus. Ah tant pis. Le père t'a laissé une chance, mais tu l'as pas saisi. Regarde ce que t'as fait. Regarde toute la colère. Il a sauté, je crois. Là, il y a l'avion, mais j'ai vu un gars sauter. Donc, à mon avis, il sera pas mort. De toute façon, moi, pour le moment, je peux rien faire. Moi, il faut qu'il passe à l'arrière. $1000 pour faire le plein de munitions. Bah, mes couilles, ouais.
Putain, sa mère, il conduit bien, hein. De la chance, au moins toi tu peux lui tirer dessus. Je peux plus. Si, c'est bon. Ta mère. Allez, encore une balle. C'est bon. Mais c'était pas lui qui était dedans. Quoi? Prenez la clé du bunker sur John. Ah oui, non, d'accord. Il s'est écrasé et nous. Ouais. Mais quoi? Mais pas ça, il y a des gens. À moins que tu l'aies tué. Mais... Ah, t'as juste été chercher la clé, très bien. C'est pas plus mal. Ah, on est mort? Non, j'ai tué John Cena, moi. Ouais, c'était vraiment lui? Oui, c'était lui. Très bien, Donald Trump. Des gens, mais il risque plus rien. Pense à la suppression de notre chaîne. J'aime les Amériques. J'aime tout le monde. Allez. Tu ne crois pas? Allez, mets-lui une balle là, putain. Il va mourir. Comme j'espère, je l'aime pas du tout, ce gars. Et pitié de ton âme. Ben non, pas besoin de pitié. Non, il est pas mort là, mets-lui une balle. S'il te plaît. Écris-lui colère sur le corps. Mais non, mais le gros. Il l'a déjà écrit, lui, c'est Guid. L'avion, Jordan, l'avion, oui. Officier, je ne sais pas quoi dire. John Seed a terrorisé la vallée tellement longtemps. Je n'aurais jamais cru le voir mourir. Mais c'est encore un peu tôt pour se réjouir. Hudson et les autres sont toujours coincés dans son bunker. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh! Eden's Gate va leur faire subir un enfer après tout ça. Attends, moi je veux piller. Eh oh! Je peux pas piller ça. Ah, c'est une blague. Ah, bien joué. Attends, il y a un moyen très simple pour faire ça. C'est ça. Ah là, parce que de base c'était très mal mis. Ah oui, mais non, bah le bunker c'est ici. Donc il s'est écrasé sur son bunker, c'est quand même con. Hein. C'est ma proie. Bon, j'ai mis la clé, je te laisse faire le reste. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Attends, on en a chié pour l'avoir celui-là. Moi je le garde, hein. T'es un fou toi? Écoute, j'ouvre le bunker pendant que tu t'amuses avec mon cadavre. Mais clairement, tiens, je te le donne. C'est cadeau. T'arrives et tu fais comme ça.
Oh, oh, oh. J'avais glitché. T'avais glitché. Mourir. Ah, mais on est déjà venu ici. C'est là qu'on était au tout début. Ah putain, non, c'est un ultra résistant. Bah, moi, comme d'hab, je vais crever. Hein, je suis au bout de la map, je suis mort. Bah, attends, donc gros... maintenant que je sais qu'il y a ce gros là. Non, mais c'est moi, bon, j'avance. Toi, tu fais un gros. Toi, tu, à chaque fois, tu rush comme un connard. Et c'est toujours sur moi qui tire premier. Je suis au bout, ils m'ont même pas vu. Ils m'ont même pas vu, je suis mort. L'autre, il est au corps à corps en train de danser la Macarena, mon gars, il a rien. Arrête, je suis mort par qui, par quoi, quand? Mais il y en a un gros avec une énorme soupape. Mais j'étais même pas encore arrivé, limite, qui m'ont dit vous êtes mort. C'est pas possible. Il y en a peut-être dans les escaliers que j'ai pas fait gaffe. Hein. C'est pas possible. Donnez des munitions. Ah, on est coincé. Qu'est-ce qu'on fout ici? Oh, mais allez, merde! Mais gros, arrête! Le gros, je lui ai mis deux chargeurs complets, il a pas pris! Mais gros, attends, c'est ceux d'en bas qui sont remontés? C'est ouais! Attends, ça veut dire. Attends! Ça veut dire que dans la logique, ça a pris en compte qu'on est mort en bas, qu'ils sont remontés et qu'ils nous ont retués! Parce que si ça prend en compte le fait qu'on est déjà mort et du coup ils ont pu sortir vu qu'on les a déjà appelés. C'est n'importe quoi. Genre ça prend... Là par contre les gars, merci, mais refaites-nous aller... Ouvre pas la porte. Mais t'es déjà dehors toi? Ah. Ouvre la porte. Mais gros c'est bugué. Je suis coincé derrière... Non. Antoine, regarde ça, je suis coincé. Je peux pas te soigner. Je peux pas. Laissez-moi sortir. Je veux sortir. C'est quoi ce jeu? Ne meurs pas, attends, 14 secondes, je vais peut-être réapparaître d'un autre côté. Mais moi j'adore. Ouf pas, mais t'es déjà dehors, quoi. Mais oui, je te voyais en dessous du camion, moi. Mais c'était le bugué de base. Le gars était dehors. Il était dehors et puis après il est apparu. Et il y a des caisses qui sont apparues, on sait même pas comment. Genre ça m'a coincé, j'étais coincé derrière des caisses. Mais des caisses invisibles, genre il y avait juste une grille de caisses en mode barreau. J'ai fait bon, bah d'accord, très bien. Génial, c'est quoi, les gars. Cette merde. Mais bon, viens, moi, attends, je prends un avion et je me cache, je te laisse tout seul. Tu veux prendre comment ton avion? On est coincé. Regarde, t'es encore en bas de la map. Ah non, t'es là. C'est bon, j'ai tué le gros. Ah, de quoi tu es, me? Que dalle. Il a éclaté ma voiture en une balle! Oh non! Bah oui, achevez-moi encore plus avec des roquettes, évidemment. Ça aurait pas été drôle sinon. Vas-y, hop, tu vas mourir, comme ça serait bien drôle. YOLO! Là-haut. D'accord, j'en ai ni... Non. Il y a encore un gros derrière moi. Oh, je l'ai tué.
Ce mort fait m'en rassurer encore une fois. Bah gros, moi je me suis fait enculer depuis la fin là. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé, on est d'accord quand même. Par contre, j'ai plus beaucoup de munitions. Bon bah du coup, il y aura plus personne en bas. Hein? On est d'accord. On prendrait pas les no... Je prendrais pas l'énorme mitrailleuse au cas où. Ou le bazooka. Écoute, si le jeu est bugué, il sera bugué jusqu'au bout. Non, il y en a encore en bas, mon gars, il y a des flèches rouges. Tant pis, je reprendrai mon truc par après. On y va discret. Oh, au pire, j'ai un truc pour passer. Un de moins. Deux de moins. Six de moins. J'y vais tranquille avec mes flèches en mode je les ai dans la tête et tout. Et elle arrive, boum. Putain, t'as one shot le gros quand tu... Ah, fils de pute. C'est-à-dire que la boucle est bouclée, ils nous ont tués deux fois. Parce que en bas en haut, et nous on les a tués deux fois, en haut en bas. Et ça c'est beau. On me fait trop chier les gars. Non non, bah attends, on y va discret quand même. Sors ton snipe ou ton arc. Bah j'ai que mon snipe et tout. En fait, il faut leur faire sauter leur casque à eux. Il faut 2 balles pour. Oh, j'ai 3 points de talent. Vas-y, repasse toi. Là-bas à gauche c'est des gentils, à droite c'est des gentils. Ouh, j'ai pris cher. Ouais, il a pris cher. Toi, tu réfléchis même, putain. Ça c'est fini. Y'a des fous putain quand même. Ouais. Ah non, ils sont suicidés pour lui. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, tu te calmes putain. Oh la conne mon nez. Eh, tu me reconnais pas, débile. Ah ouais, elle est vraiment conne en fait.
Ah, il est temps. Mon Dieu, mon Dieu. Je pensais pas que tu reviendras. Bah si. Si, putain. Mais mon gars, elle a mis un quart d'heure du genre. Putain, ouais, mais non, mais le temps qu'elle est restée prisonnière, où elle s'est fait torturer, où elle s'est fait tout ça, elle est devenue un peu folle, c'est normal. Que j'allais finir par crever là. Là, elle a fait que se défendre contre tout le monde, elle s'en battait les couilles, tu vois ce que je veux dire? T'aurais fait le même, j'aurais fait le même, quoi. T'aurais pu l'acheter dans le feu. Il descendait ici et il restait là, sans bouger, et il regardait. On implorait sa pitié et il faisait rien, putain. Il regardait. Je t'ai rien fait, moi, tu te calmes. Par contre, je vais mettre un couteau. Les autres. Ok. Il y avait d'autres gens coincés ici avec moi. On les a entendus, ils sont morts. Faut qu'on les sorte de là. Non, je les ai vus, mais je les ai pas encore fait sortir. Aide-moi. Bah, vu le nombre de coups de roquette que j'ai donné. Il y a des dégâts de mon chemin? Bah, non. Ah. Allez, faut qu'on atteigne la salle de contrôle. Ouais, attends, moi je fouille d'abord ici, à mon avis. Oui, j'avoue, attends. On a pas tout fouillé ici. Ah bah y'a rien. Retourner chasser, mais gros, grande, tu viens de... T'as fait une grande chasse là. On va vous sortir de là. Les salles sont regroupées par section. Et merde, impossible de tout ouvrir à la fois. Oh, je vais devoir le faire section par section. Ah, on peut dire que tu restes ici pendant que nous on va faire le boulot en fait. Faut aller là. Y'a des ennemis. T'es pas mort toi. Avant demain, hein. Bah mon gars, attends, je vais m'arraver la gueule 50 fois. Oh, il a une Uzi. Je l'ai récupéré, elle est où? Je peux rien faire d'ici. Tu vas devoir trouver. Merde, elle est où? Attends, la salle de contrôle est fermée. Aucun missile activé. Séquence de lancement annulée. Bah, fais attention. Là, il y a des munitions ici, tu vois. Évidemment. Merde, ça aurait pas été drôle si je tombais pas dans l'eau. Moi je dirais que... Ah, tu veux pas la jouer un peu avec autre chose parce que là c'est pas marrant en fait. Il est où? On est d'accord, il s'est tapé. Je vais crever! Attends, je régénère avant. T'inquiète. Ils sont deux, hein. Bonjour. Bon, bah, je reprends mon arc. Faut détruire? C'est le lance-roquette. Ah! Antoine!
Il venait d'où celui-là, putain, de derrière quoi. Si merde. Ah merde, j'allais monter en fait. Voilà, commence à grimper. Ces trucs ont plus servi depuis des années. Alors si jamais ça se bloque, tire sur les charnières. Oh non. Évacuation. Et merde, impossible de tout ouvrir à la fois. Oh, je vais devoir le faire section par section. On sait. Échec du système. Quoi? Il y en a un, fais gaffe à mon opposé. Il est tout seul, le gars, c'est juste même une tête. Ah, un petit coup plus une tête après, quoi. C'est barré. Bah, je sais pas, mais moi je suis en train de crever comme une merde. C'est quoi ce truc de connard? C'est bon, je vais balancer une grenade. Il est pas mort. Quand dès qu'il passe sa tête, il est mort. Ah, oh, bien joué. Bah, comment tu le voyais pas? Par rapport à l'angle. À moi, mon angle, il était pas bon. Où ça? Quel réservoir, ça? Non, encore plus loin. Ça, d'accord. Je prends cher à chaque fois, moi. Allez, reste pas là. Dépêche-toi. Tout va exploser. Récupère les derniers prisonniers et je sors. Bonne chance. On se retrouve dehors. Officier, les renforts arrivent. Mais gros, ils sont 4 contre moi. J'en ai mis 2 par terre, il y en a un qui s'est pris une patate, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je trouve ça scandaleux quand même, souvent je me fais complètement reculer. Casse-toi. Attention, il arrive derrière. Ah, bande de fils de pute! J'ai une munition, une arme, quelque chose. Dirigez-vous vers la sortie la plus proche, dans l'ordre et dans le calme. Mais gros, je l'ai activé ce truc de merde là! Pourquoi ça veut pas? Eh, il veut pas, bah, il veut ça, pas. C'était le mien. Bah, retire-toi. La sécurité doit être activée. Mais c'est parce qu'il y a le pistolet devant, hein. Ah, c'est bon. Connard de jeu, j'y crois tellement pas. Tu meurs quand tu veux, toi. Derrière toi. C'est quand tu veux pour nous faire sortir, hein, ma petite. Là, il faut sortir. Il y a des échelles. Utilise ton grappin. Je te couvre. Go, maintenant. De toute façon, s'il y a nous deux passes, l'autre il passe avec. T'es sorti, toi? Bah voilà. Mais Hugo l'a explosé. Non, il est là-bas à droite. Ouais, mais non, avant, tu regarderas quand tu le mettras. Mais un peu avant, on voit le truc exploser. D'accord. Donc
déjà fait une région là, on n'a pas fait toutes les quêtes, mais on avait déjà fait une région. Lizzie Lager. Quelle. Il a toujours son blindage, lui. Hey. Vous nous avez rendu ce qu'on pensait jamais revoir un jour. L'espoir. Quoi qu'il arrive maintenant, on vous suit. Hey. C'était du sacré boulot, vraiment. Moi, après ça, c'est toi qui donnes les ordres. Si jamais t'as besoin de quelque chose, t'as qu'à me demander. Ouais, tu peux aller prendre une douche quand même parce que là t'es pleine de sang. Genre, je veux pas dire, mais bon, d'un moment on dirait que t'es quasi morte. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il vient dans nos rêves. Le seau a été ouvert. Mon frère John était peu aimé. Tu t'en fous alors? Craint par beaucoup. Il était incompris de tous. Hormis de moi. John n'a pas toujours été ainsi. Ce n'était qu'un enfant quand notre famille s'est déchirée. Il était tendre, doux, plein de joie. On s'en fout. C'est un connard. Mais c'était une proie facile. Et j'avoue que j'ai jamais eu aussi facile. John n'était pas parfait. Même les bombies sont plus durs à tuer. Il lui arrivait de commettre des erreurs. Mais c'était mon frère. Et ceux qui sont responsables de sa mort seront tous punis. Ça, je vous le promets. Ouais. Bon, et bien sur ce, les amis, moi je vais mettre fin à l'épisode. Donc rendez-vous dans l'épisode 11. Et j'espère que vous aurez aimé. On a fini la première partie du jeu, ça fait plaisir. Et donc rendez-vous pour la suite, salut. Hey, un petit conseil.